Martino. Toi, là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, bonjour. Salut, écoute, c'est la dernière du monde à l'envers. Ce soir, j'entendais tantôt... Oui, Stéphane en parlait tantôt. Stéphane en parlait. On ne sait pas si l'émission va revenir. On ne sait pas si ça rend compte des objectifs que voulait atteindre TVA. On verra, on sera au cours des prochaines semaines. Moi, je viens te parler de mon expérience à moi, puis ça a été important. Parce que, tu sais, on fait des débats, puis là, on me dit, Richard, tu vas discuter avec des gens comme Émilie Lassantérien. Non, Judith Lucier. D'ancienne de QS. Judith Lucier, la papesse des woke. C'est-tu vraiment la papesse des woke? Oh, c'est la papesse des woke. Elle est située dans une autre galaxie de moi. Et Louis T avait déjà écrit des choses très désagréables sur ma blonde et moi. Fait que j'étais là comme bouffe. Ouais, OK, je vais débattre avec eux, mais tu sais, les croisés, ça va être un petit peu tendu. Tu sais, j'ai découvert trois personnes tripantes. Émilie Lassantérien, elle fun, une fille de région, elle chasse, elle-là, là, oh, vraiment. Oui. Là. Et elle descendait de son patelin, elle faisait, je sais pas, 5 heures quoi, de route. Elle est quoi, Val-d'Or ou Rouen? Rouen. Écoute, elle faisait 5 heures de route quand pour venir nous voir, par se partir après ça le lendemain. Un petit peu plus que ça. Un petit peu plus. Et une fille, et j'avais hâte de la voir, je la trouve vraiment agréable. Louis T, on a eu un fun noir. Écoute, je rentrais après ça dans les corridors, puis tu sais, me disait, tu vas débattre avec Louis T ce soir, ça va être le fun. Puis là, j'ai rencontré Louis, on se racontait des jokes et tout ça. Même chose avec Judith Lucier. Et je me suis rendu compte que, parce que moi aussi, je suis là-dedans, tu sais, des fois, on bloque. Oh, oui. Ou on définit la personne par ses prises de position idéologiques. Et c'est un adversaire, même c'est un ennemi. Non, puis c'est dans une case, puis tu peux jamais sortir de cette case-là. Exactement. T'sais. Et ces gens-là font ça avec moi, mais là, je parle de mon préjugé à moi. Et finalement, je me suis dit, tu sais, ces trois personnes-là, je pourrais prendre un verre avec eux autres. Ouais. Je pourrais souper avec eux autres, puis j'aurais du fun. On serait pas d'accord. On jaserait, on s'obstinait, mais on se tirait la pipe. Puis c'est, finalement, je suis allé au-delà de mon blocage. Et j'ai rencontré trois personnes tripantes. Et je me disais, Christy, c'est ça le problème dans notre société. On est bloqué. On veut plus se parler. On juge les gens, on veut plus se parler. Puis des fois, là, si on pouvait, tu sais, des fois, entre amis aussi, on peut être en désaccord sur certaines affaires. Puis c'est pas parce que quelqu'un ne pense pas comme moi que c'est pas une personne agréable, que c'est pas une personne dont j'apprécie la compagnie. Et donc, ces trois personnes, Émilie Lassantérien, Louis T, Judith Lucie, je les ai découvertes, puis c'est très le fun. Sachez que vous êtes invité à souper chez Richard et Sophie quand vous voulez. Ça a l'air que c'est bon. J'ai entendu dire, je sais pas, mais ça a l'air que c'est bien bon. Hey Richard, bonne fin de semaine. Merci, bonne émission. Merci à toute l'équipe qui a travaillé là-dessus. Merci à vous. À lundi.